Le thème des assemblées annuelles de 2022 de la BAD qui se tiendront du 23 au 27 mai 2022 à Accra, au Ghana, est « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ». Le thème des assemblées annuelles de 2022 de la Banque africaine de développement, BAD, a été choisi pour offrir un cadre permettant aux gouverneurs de la banque d'échanger leurs expériences sur les défis du changement climatique et de la transition énergétique auxquels ils sont confrontés, ainsi que sur les réponses/mesures politiques qu'ils emploient pour y faire face. Attente des PMR, les pays membres régionaux, PMR, de la BAD auront l'occasion de discuter de la nature du soutien dont ils ont besoin de la part des partenaires mondiaux du développement, ainsi que du coût estimé du renforcement de la résilience et de la transition énergétique juste pour leurs économies. Les événements organisés autour du thème des assemblées annuelles de la BAD permettront d'échanger des points de vue sur les stratégies, les politiques et les interventions. Les événements organisés autour du thème des assemblées annuelles de la BAD permettront d'échanger des points de vue sur les stratégies, les politiques et les interventions, ainsi que de promouvoir l'apprentissage entre pairs et le dialogue sur les politiques axées sur les solutions pour construire l'Afrique. Lire aussi changement climatique, l'écosystème de la transition énergétique au cœur d'un panel 12 février à Abidjan. L'Afrique, faut-il le noter, connaît un réchauffement plus rapide que le reste du monde. Évolution du climat. La température de surface du continent a déjà augmenté plus rapidement que la moyenne mondiale et, à l'avenir, les températures médianes des régions septentrionales et méridionales du continent pourraient augmenter de 3,6 OC si la température médiane mondiale augmente de 2 OC. Par ailleurs, le niveau de la mer s'est élevé plus haut sur le continent que la moyenne mondiale au cours des trois dernières décennies. Le niveau des mers en Afrique continuera à s'élever, ce qui augmentera le risque d'inondation côtière selon le sixième rapport d'évaluation du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est presque certain que le niveau des mers en Afrique continuera à s'élever, ce qui augmentera le risque d'inondation côtière. Lire aussi assemblées annuelles 2022 de la BAD, les sessions se tiennent en présentiel du 23 au 27 mai à Accra. De plus, le Sahara, la Corne de l'Afrique et l'Afrique centrale devraient enregistrer des précipitations plus importantes et une augmentation correspondante des inondations pluviales, tandis que l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est devraient observer des vitesses de vent tropicales plus élevées et davantage de cyclones de catégorie 4 à 5.